qui nous entendent en ce moment. Voilà, chaque année apparaît maintenant au Togo l'épidémie de la méningite. Je posais la question tout à l'heure au directeur de publication du journal Santé et Éducation. Est-ce que le gouvernement ne peut pas prévenir tout cela pour que les citoyens se sentent libres, à l'aise et être productifs pour le pays? Tout ce que je sais, c'est que pour un gouvernement responsable et sérieux, pour anticiper ces genres de crises, il faut adopter la formule que vous venez de dire. Gouverner, c'est prévoir. On peut prévenir dans tous les domaines, étant donné que nous sommes dans un État et que l'État est dirigé par un gouvernement, auquel cas, on n'aura pas de département séparé, ou on n'aura pas le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, on n'aura pas le ministère de l'Intérieur. Donc, ce qui veut dire que chacun doit essayer de veiller sur son portefeuille pour mettre à l'abri les populations togolaises. Si éventuellement, on sait très bien qu'on est serviteur du peuple. Mmh. Et oui, hier, au cours d'un atelier, j'avais assisté à cela au niveau de Jazz Hotel à Lomé, l'atelier organisé par International des Services Publics avec ses affiliés au Togo. On parle donc de partenariat public-privé et surtout l'accent est mis sur la contraceptualisation du système de santé au Togo. Ce qui veut dire, on veut maintenant quitter l'étape où l'État n'arrive plus à contrôler, à bien financer, afin de céder ça au public, au privé, pour pouvoir gérer le secteur de la santé publique. Est-ce que ce ne serait pas une manière de pousser le privé à mettre ou à fixer le taux que lui pratiquait déjà dans sa clinique privée? Vous savez que, sans vouloir le dire, on veut privatiser. Oui, voilà le terme clair, mais on ne le dit pas clairement comme cela. Non, on ne le dit pas. C'est à nous de le dire maintenant, c'est à nous d'éveiller les populations en leur disant que bientôt c'est tout le Togo qui sera privatisé. Parce qu'on a vu que de jour en jour, il y a bon nombre de choses qui sont privatisées. Et peut-être qu'on arrivera à privatiser aussi les cimetières. Alors, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à la gestion saine, hein, de la chose publique. C'est ce qui manque au gouvernement togolais. Oui. La gestion saine, qui repose le problème de l'impunité. Comment a-t-on dirigé? Comment est-on arrivé à ce résultat-là qui pose aujourd'hui problème et qui fait que l'État veut se dédouaner, l'État veut se désengager en quelque sorte, se désengager totalement de la gestion? Pas totalement, mais un peu au bout. Oh non, mais écoute, totalement, parce que l'État sera là juste pour regarder, mais n'aura pas, si éventuellement on confiait la gestion de cette chose publique-là à un privé. Voilà, c'est la mauvaise gestion, il faut le dire, en des termes clairs. Et voilà, aujourd'hui l'État veut prendre les taureaux par les cornes, une commission au niveau de la haute autorité chargée de lutter contre la corruption et les infractions assimilées. L'équipe, les sept membres composant cette haute autorité a prêté serment. Ont prêté serment hier devant la Cour suprême. Je voudrais que l'on se comprenne sur prêter serment au Togo. Je voudrais très bien qu'on en parle. Parce que le fait de se prêter à ce jeu-là, où on confie la mission... Cette obligation constitutionnelle. Vous le dites si bien que c'est une obligation constitutionnelle. Mais je me rends compte que ceux qui sont garants du respect de la Constitution sont les premiers à violer cette Constitution-là. Voilà pourquoi je dis se prêter à ce jeu-là. J'ai vu, quand vous parcourez l'histoire togolaise, j'ai vu des gens qui ont prêté serment devant toute la nation togolaise parce que c'est des citoyens à qui on confie un certain nombre de missions. Mais, dans la réalité, ceux qui ont prêté serment deviennent des gens qui poussent le pays à l'abîme. J'en ai pour preuve la dernière élection présidentielle. J'ai vu tout le staff de la CENI qui a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ce staff n'est plus au point.
on n'est pas arrivé à nous dire que tous ces membres-là qui ont prêté serment de servir la nation, rien que la nation, ceux qui ont été rejetés parce que ne voulant pas cautionner la forfaiture, on dit aujourd'hui, nous voulons réintégrer. On leur avait reproché qu'ils seraient sur le point de saboter le travail collégial qui était en train de se dérouler. Alors, ce qui me pose aujourd'hui problème quand vous me parlez de prestation de serment pour servir la nation, je ne peux pas comprendre. Ceux qui reprochent à ceux qui ont écrit au président de la CENI de reprendre leur place et que en retour, on leur reproche le fait qu'ils veulent saboter. Moi, je voudrais savoir si eux-mêmes, ils sont en harmonie avec leur conscience. Parce que la loi électorale, en son article 8, dit que toute décision de la CENI doit être prise à la plénière. Je suis un tout petit peu scandalisé de voir qu'au moment où M. Tafatabiou demandait aux autres membres de la CENI de s'apprêter pour une réunion, que ce même Tafatabiou se pointe sur un plateau, dit-on, qu'il veut donner des résultats. Alors le vice-président est apparu pour lui demander. Mais et cette image a fait le tour du monde. Alors, on le sait. Maintenant, à votre entendement, oui, doit-on dire que le fait de prêter serment devient un acte insipide, un acte creux, qui n'a plus son pesant, sa valeur? Lorsque je fais la lecture de la loi fondamentale togolaise, en son article 64, où le chef de l'État est tenu de prêter serment. Tout comme Donald Trump aussi l'a fait la dernière fois. Sous la Constitution. Aux États-Unis. Il est dit, et ça c'est le chef de l'État qui le dit, nous, patati patata. Alors quelque part, on parle du fait que le chef de l'État doit tout faire pour consolider l'unité nationale. Mais moi je suis très éberlué de me rendre compte qu'il y a des événements malheureux qui ont endeuillé le pays. Le chef de l'État a prêté serment. Mais il ne s'est jamais déplacé pour aller voir ce qui s'est passé. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de des collaborateurs du chef de l'État à chacun de jouer sa partition. Non, les collaborateurs du chef de l'État n'ont pas prêté serment sur la Constitution. Vous les avez vus? La loi fondamentale togolaise donne l'autorisation au chef de l'État seul de prêter sur la Constitution dont il est le garant du respect, article 58 de la Constitution togolaise. Alors, il est le père de la nation, dit-on. Alors, quand il y a un problème au sein de la famille togolaise, le premier à marquer le pas, c'est le chef de l'État. Le premier papa à réagir. Mais je suis très malheureux de le dire que le chef de l'État togolais a toujours failli. Mes deux frères, Sinandaré et Douti, qui étaient décédés dans des conditions pas possibles, en 2013. Vous savez que dans certains pays, comme les États-Unis, comme la France, quand il se passe ces genres de choses et que le chef de l'État est en déplacement dans un autre pays, il rentre rapidement au pays. Parfois, s'il ne rentre pas, il réagit depuis là où il est. Vous avez vu le chef de l'État togolais le faire dans ces genres de conditions, de situations qui ont prévalu au Togo? Il a quand même le ministre de la Sécurité à l'époque. C'est en cela. Il doit diligenter une enquête et nous a-t-on dit dans ce pays quand même que les soldats qui étaient à la base de ces bavures policières ont été mis en prison. Vous voulez ouvrir un autre... Et ça, c'est du passé. On ne revient plus sur cet aspect. Mais quand même, est-ce à dire que le serment que les uns les autres prêtent, cela doit être accompagné de respect de cet acte qu'on fait? D'abord, il faut se poser la question de savoir si ceux qui sont appelés à prêter serment savent le sens de ce serment-là, savent ce qu'ils veulent faire. Quand la chose est appelée serment, ça veut dire que c'est un acte sacré. Cela veut dire aussi que si tu vois le blanc, tu es tenu de dire que c'est le blanc. C'est le contraire au Togo. C'est de ça que je parle. Pas tout le temps. Est-ce que ces personnes-là savent l'acte, comprennent le sens de l'acte qu'ils veulent poser? C'est la question qui se pose. Et à propos, voilà les sept membres de la Haute Autorité de lutte contre la corruption
ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, et le juge Gamato les a renvoyés à leur mission. Est-ce que ces messieurs peuvent toutefois agir et véritablement réprimer la corruption dans notre pays, je suis à tous les niveaux? Non, mais moi je suis désolé. Je suis désolé de dire que je ne suis pas d'avis avec vous. Je ne suis pas d'avis qu'on coopte sept citoyens à qui on confie la mission de tout faire pour arrêter la corruption. Alors, avant même qu'ils ne prêtent serment, est-ce qu'ils ont déclaré eux leur bien? Parce que pour lutter contre la corruption, il faut que ceux-là qu'on coopte, qu'on sache qu'ils sont réellement blancs comme neige. Est-ce qu'ils l'ont fait? Il faudrait qu'on sache qu'ils sont détenteurs de ceci, mais ils possèdent ceci et cela. C'est clair. Mais le bon sens aurait voulu que ce soit eux qui donnent. Le bon sens aurait voulu que ce soit eux qui donnent l'exemple. Avant et si le test voté à l'Assemblée nationale n'impose pas cette disposition? Vous savez, j'ai mal au cœur quand je parle d'un certain nombre de choses concernant les dirigeants togolais. Mais pour moi, c'est un sacerdoce que j'en parle et que j'en dénonce des fois, quel que soit ce qui m'arrivera. Je le dirai. La loi fondamentale togolaise, en son article 145, fait obligation au chef de l'État de déclarer ses biens et avoirs pour donner l'exemple. Même les ministres, les directeurs de sociétés, d'État, etc. Et puis le président de l'Assemblée nationale et tout cela, tout ce beau monde-là. Mais lorsque vous voulez lutter contre la corruption et que vous ne donnez pas le bon exemple, ceux que vous cooptez ne donnent pas le bon exemple, vous voulez lutter contre quelle corruption? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça fait des années que le chef de l'État nous a parlé des surfacturations qui se font dans l'administration. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? C'était en 2013, il avait dit. Oui, mais qu'est-ce qui a été fait? Depuis là, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. J'aurais voulu que ceux qui ont été cooptés déclarent leurs biens pour mieux travailler. Comme ça, ils seront un bon départ de probité à leur niveau d'abord. C'est ça. Et ça leur donnera ce courage et cette force de dire, lorsque vous trouvez que celui-là ne fait pas bien, ils seront à même de le dénoncer. Mais quand ce n'est pas ça, c'est bonjour les dégâts, je suis désolé. Il y a des exemples au Togo. Et ça dit qu'il y a forte probabilité que celui-là qui réprime la corruption puisse être lui aussi corrompu. Quand on nous a dit qu'il y a une minorité qui fait même basse sur les richesses du pays, on ne nous a pas nommé cette minorité-là. Mais on se rend compte que celui qui a dit que c'est une minorité qui fait même basse sur les richesses du pays, c'est dans son entourage qu'on trouve des milliardaires. Alors, ils font quoi comme activité? Ils sont aujourd'hui milliardaires. On se rend compte que quand vous prenez... Mais quand même, il y a des services compétents dans le pays qui luttent contre le blanchiment d'argent, également l'enrichissement illicite. Qui en sont leurs auteurs? CEDIF, par exemple. Qui en sont leurs auteurs? Qui sont ces acteurs-là, le blanchissement d'argent et autres? Cherche, tu trouveras que ce sont des gros bonnets, ce sont des hauts perchés. C'est des gens qui ne sont pas loin du pouvoir d'État togolais. Et c'est des amis à ceux-là qui dirigent ce pays. Je suis désolé. Ah oui, mais si tu es le cas, on a besoin d'avoir En 2006, la Gazette du Golfe, mon journal, à cette époque, c'était un journal papier. A publié un rapport sur le trafic de la drogue au Togo. Mais allez-y voir ce que le service de stupéfiants français, qui, ensemble avec le ministère de l'Intérieur togolais, allez-y voir le travail qu'ils ont fait et allez voir les noms qui ont été cités dans ces rapports-là. Ça m'a valu ce que ça peut me valoir. Mais... Et semble-t-il, paix à son âme, ces enquêtes auraient coûté la vie à notre collègue Yekini Radji. Oui, paix à son âme. Vous voyez. Et donc, quand vous prenez tous ces noms-là, vous verrez que ces gros trafiquants, ces cartels, sont des hauts perchés, c'est-à-dire des gros bonnets. Mais quand même, il faut toujours qu'il y ait de l'espoir que demain sera meilleur. Réforme politique, M. Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC et chef de file de l'opposition, il dit, je ne discute plus dans un autre cadre, autre que ce qui a été déjà fait au niveau de l'APJ. On a beau crier et décrier la commission mise en place par le chef de l'État,
le 3 janvier, disons en 2015, et la composition a été dévoilée le 3 janvier dernier. Cependant, la commission continue son petit bonhomme de chemin. Hier, la preuve hier, elle était dans les locaux de l'ANC où elle a rencontré M. Jean-Pierre Fabre et tous ses collaborateurs. Je ne voudrais pas revenir sur les propos de M. Jean-Pierre Fabre pour être un militant de l'ANC, mais je voudrais en tant que citoyen togolais d'abord, et puis journaliste, dire que lorsque je prends l'APG que j'ai en main là et que je jette un coup d'œil sur certaines lignes, je me rends compte que l'accord ne demande pas qu'on crée de commission. Mais l'accord dit les parties prenantes. Chaque fois à la ligne, c'est les parties prenantes, les parties prenantes, les parties prenantes. Alors c'est pour amuser la galerie qu'on a cherché à multiplier des commissions, des dialogues, patati patata. Parce que justement, qu'on se dise la vérité, les gens n'ont pas la volonté de faire les réformes. Est-ce que les temps sont les mêmes? Est-ce que les temps sont les mêmes? Mmh. Mais 2006-2017. Vous savez ce qui était à la base de la signature de l'APG? C'était les mouvements... Les violences de 2005. Et alors, ça a profité à qui? À M. Faure Gnassingbé. Puisque c'est à partir de cela qu'il a pu tirer, entre guillemets, une infime légitimité. Alors s'il fout aujourd'hui au pied la mise en œuvre de ces réformes-là, c'est... Je ne voudrais pas dire le mot. Oui, alors, face à tout ceci, la commission, elle travaille. Est-ce que vous ne pensez pas que... Quelle commission travaille? L'opposition doit quand même donner son point de vue, quel que soit ce qui se passe, mais au moins ressortir ce qu'elle a comme ambition. Nous voulons qu'on fasse ceci et cela, au moins le dit. Quelle commission travaille? La commission de Mme Awanana Daboya. Alors, le point a été fait à la population? Le point a-t-il fait à la population? Non, pas encore. C'est maintenant qu'elle est en train de démarrer les travaux. D'abord, les travaux qui étaient faits il y a quelques semaines, est-ce que la population a été sensibilisée sur les conclusions? Parce que, semble-t-il, les conclusions ont été remises au chef de l'État. Ouais. Quel est le contenu? Il faut situer la population avant de se jeter à l'eau. Vous savez ce qui a été arrêté, vous? Pas encore. Alors, vous travaillez pour le peuple ou bien vous travaillez pour un homme? C'est la grande question qu'on se pose. Et à quand alors les réformes? Ah mais, moi je ne sais pas. Les réformes seront faites au moment où les gens auront cette volonté-là. Je dis bien cette volonté de servir. Est-ce que nous ne sommes pas dans le schéma d'une citation biblique ou bien d'une partie de la Bible où quelqu'un a dit de Jésus, on lui disait que Jésus-Christ est de Nazareth. Il lui dit, mais est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Et la personne lui a répondu, et je crois ça doit être Philippe et Nathanaël, viens et vois. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce schéma? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de cette commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles? Et tel qu'on est dubitatif, peut-être la commission répondra, venez et voir. Vous savez, j'ai été scandalisé quand j'ai écouté Mme Awanana lors de sa dernière conférence de presse où elle disait à l'auditoire, et ça, je suis en train de marquer l'introduction, elle disait à l'auditoire qu'elle avait demandé au chef de l'État de présenter des excuses à la nation parce que ce qui s'était passé n'était pas bien. Est-ce que ces excuses-là ont été faites? Mais j'étais présent à cette conférence, elle avait dit le chef de l'État et les responsables des partis politiques, eux tous. Je suis d'avis. Je reviens sur le fait que le chef de la famille togolaise, c'est lui qui doit donner le bon exemple. Dis-moi que c'est faux. Le chef de la famille togolaise doit être un exemple. Et c'est en cela qu'il aura la force, lorsqu'un citoyen ne fait pas bien, de taper sur la table et de dire « ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien ». Mais quand vous ne le faites pas, c'est pas bon. On aurait accepté, et d'ailleurs, ça serait un bon ton que le chef de l'État déblaie le terrain à la commission. En faisant quoi? En faisant son maïkou. Mais à quoi pas? Et en disant, mes chers compatriotes, nous savons qu'en 2005, il s'est passé beaucoup de choses. Tout comme François Fillon l'a fait aux Français avant-hier.
par rapport au Penelope Gate. Voilà, où il a adressé non seulement une lettre, mais il a parlé. Il a parlé en présentant des excuses aux Français. Voilà. Et quand vous le faites comme ça, vous apaisez les cœurs et le travail sera beaucoup plus facile à ceux-là que vous envoyez en mission. Mais quand vous ne le faites pas comme ça, les cœurs sont braqués. Voilà. Il faut avoir cette volonté-là. Il faut être humble. Il faut descendre du carreau blanc pour faire ce qu'il faut pour la nation togolaise. Et c'est dans cette atmosphère quand même que la radio City FM et la chaîne de télévision LCF ont été fermées il y a de cela 3 jours. Et nous dit-on au niveau de la HAC que ces deux médias ou ces deux organes de presse n'ont pas reçu l'autorisation nécessaire avant le démarrage en 2007. Mais je vais vous proposer de réécouter le président de la HAC, M. Pitan Tchala. La HAC ne dispose pas de dossier LCF et CTF. Ce n'est pas une sanction. Nous vous disons, allez refaire un dossier et on va voir. On peut continuer à cautionner parce que ça a fait longtemps. Voilà, vous l'avez écouté, c'est ce qu'il a dit lors de la conférence de presse de la dernière fois par rapport à ces deux stations. Vous n'avez pas été scandalisé, vous, d'entendre ça? Si vous ne l'êtes pas, moi je le suis. Parce que cette chaîne-là a bouloté pendant 9 ans. Oui. C'est pas grave. On est dans un État, on est dans une République. Alors, est-ce qu'il faut laisser certains jouir de certains privilèges et essayer de mettre au pas d'autres citoyens? Alors, juste pour dire que c'est la politique de deux poids, deux mesures. Je prends le président de la HAC au mot. Comment se fait-il que LCF et City FM ont pu travailler pendant 9 ans et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils n'ont pas de documents officiels? Ce que je sais, c'est que le confrère Luc Abaki, qui savait être le directeur général de LCF, Sud Média, oui, a essayé de mettre à la disposition de l'auditoire lors de la conférence de presse qui s'est tenue à la HAC la dernière fois, un certain nombre de documents, dont le reçu d'achat du dossier d'appel d'offres, le récépissé accusant réception du dossier déposé en 2007, la lettre de la HAC qui demandait à l'RTP l'assignation des fréquences du groupe Sud Média, la lettre de l'RTP et un certain nombre de documents. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que la HAC ne nous dit pas que les documents qui maintenant ont été déposés sont des documents falsifiés, ne sont pas des documents authentiques. Oui, la HAC ne l'a jamais dit. Mais oui, pourquoi? Alors, pourquoi? Puisque la HAC dit qu'elle n'a pas retrouvé les dossiers de LCF et CTFM dans ses archives. Je peux te surprendre. La Gazette du Golfe était dans la même dynamique. Moi, j'ai été très scandalisé. J'ai déposé les dossiers de la Gazette du Golfe un 4 mai 2012. Je vous dis, un 4 mai 2012. Pour le journal papier. Pour le journal papier. Alors, feu que Koutouzoum m'a traîné dans la boue pendant des années. Perd son âme. Et quand la nouvelle mandature est arrivée avec à sa tête M. Pitan Tchala, j'ai encore envoyé une lettre. Vous avez réintroduit une nouvelle demande? Une nouvelle demande. J'ai été appelé. On m'a demandé un certain nombre de choses à faire, que j'ai fait. J'ai refait le dossier que j'ai déposé il y a bientôt 2 mois, que j'attends. Avant que je ne sois contacté, au bout du fil, on me disait que les dossiers que j'ai déposés et qui étaient attestés par une quittance qui m'a été remise ont disparu de la HAC. Vous n'êtes pas surpris, vous? Que vos dossiers aussi étaient disparus, portés disparus? Oui, pas ceux que j'ai déposés il y a 2 mois, mais ceux que j'avais déposés en 2012. Le 4 mai 2012 se sont volatilisés dans la nature. Et ça, nous sommes en face d'une institution de la République, Res Publica. Je ne suis pas scandalisé dans l'affaire là. Je ne suis pas scandalisé. Vous n'êtes pas scandalisé. On marque la pause pour servir les annonceurs et on revient tout de suite en studio.
Avec notre invité Ildefonse Akpaki, qui est le directeur du journal en ligne www.lagazettedutogo.com. Et tout à l'heure, nous parlions de la hack, mais ce que nous avions constaté, c'est que lorsque l'affaire de LCF et CTFM a éclaté, on a lu, on a remarqué que un des membres de cette institution a saisi la Cour suprême, la personne de Zeus Asiadouvor, l'ancien directeur de Liberté du quotidien privé et liberté. Est-ce que ce ne serait pas une fissure dans la maison, la division? Je crois que si on parle de fissure, je ne suis pas tellement sûr, mais je voudrais orienter le débat vers le sens même que revêt la prestation de serment. Et dans ce cas-là, le confrère Zeus Asiadouvor, que je salue d'abord, que je salue au passage pour son courage, a compris qu'il est au service d'un État, d'un peuple. Pourquoi ? Parce que dans sa correspondance, il contredit les propos du président de la RAC qui disait que la décision a été prise pour cette fermeture-là. Et tout le monde sait que toute décision qui doit émaner de la RAC doit être une décision prise à la plénière, comme je l'ai dit tout à l'heure parlant de la CENI. Oui. Dans la correspondance de Zeus Asiadouvor, il mentionne qu'il n'y a jamais eu ce sujet à discussion au cours d'une quelconque plénière. Donc, il contredit ce que le président de la RAC. Oui, et maintenant, face à tout ceci, Ildefonse, est-ce qu'aujourd'hui, la RAC peut essayer de revoir copie pour que cette radio et cette télévision puissent rouvrir leurs portes? Ou bien c'est le chef de l'État qui doit intervenir, ou bien le Premier ministre? Parce que le cas similaire s'est passé au Gabon, au Bénin à côté, il y a quelques semaines, mais sur l'instruction du chef de l'État, et puis la RAC a également revu sa copie, et puis toutes les stations fermées ont rouvert. On peut rouvrir. Revenons d'abord sur la démarche de la RAC. L'article 130 de la Constitution togolaise donne ou confère à la RAC sa mission. Et entre autres missions, c'est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Voilà la première mission. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et à l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de communication. La deuxième et la troisième, elle est compétente pour donner l'autorisation d'installation et de nouvelles chaînes de télévision et de radio privées. Voilà ce que la loi confère à la RAC comme mission. Mais la même loi fondamentale togolaise dit à la RAC stop. Quand vous prenez l'article 26 de la Constitution togolaise, en son alinéa 3, elle dit que la presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice. Fin de citation. D'accord. Alors aujourd'hui, dans le cas d'espèce, comme j'ai entendu tout à l'heure l'élément que vous venez de passer, de certaines associations de la société civile, il est clair que la RAC n'a pas le pouvoir de fermer ou de retirer. Il donne l'autorisation, mais pour la reprendre, c'est une décision de justice. En tout cas, et monsieur Luc Abaké, le directeur général donc de cette chaîne ou de ces deux stations, disons du groupe Sud Média, a dit quand même avoir saisi la cour, la justice. On attend de voir les prochains jours qui va advenir. Mais tout à l'heure, j'avais posé quand même la question, est-ce que face à cette situation, par rapport à cette situation, le chef de l'État peut s'inviter? Est-ce qu'il peut s'inviter dans ce débat afin de pouvoir trancher et puis ramener la paix, la compréhension, la sérénité, le vivre ensemble? Il y a eu des situations similaires qui se sont produites et le chef de l'État n'a pas intervenu. Je ne crois pas
qu'il le fera. S'il le fait, c'est bien. Voilà. Pour apaiser les cœurs. Vous avez soufflé le dimanche dernier votre première bougie. Gazette du Golfe, encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Alors, 1 an, 12 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous avez parcouru du chemin. Oui. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, je dois rendre grâce au Seigneur. Oui. Parce que la naissance de la Gazette du Togo a été faite d'une manière miraculeuse. Et pendant ces 12 mois, la main puissante de l'Éternel était sur nous. On a eu pas mal de difficultés. On s'en est sorti. Vous savez que la Gazette du Togo, ce journal en ligne, n'a pas de publicité, n'a pas de soutien financier. Les vidéos qui sont mises en ligne ne sont pas monétisées. Alors Dieu seul sait comment nous arrivons à nous en sortir. Voilà pourquoi, puisque c'est une grâce, puisque moi-même, en tant que prompteur et directeur, je dis que c'est une grâce que j'ai reçue de lui, alors je dois lui rendre grâce. Les accidents de circulation du personnel et de moi-même, ainsi que tout un tas de trucs que nous avons pu enregistrer, sont devenus aujourd'hui pour nous des œuvres que nous devons offrir au Seigneur en action de grâce et en remerciement. Donc voilà, ce qui m'a le plus marqué, c'est la présence et le soutien de ces aînés-là qui ont accepté d'animer ce débat citoyen, parce que le Togo en a besoin. Il faut éveiller les consciences. Il faut qu'on dise à nos citoyens que voilà ce qu'il faut faire, parce que la cité Togo, c'est pour nous tous. Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur les professeurs Georges Ayayi Togwata à Pédouama, le professeur Kwakubi Magloire, le professeur David Dossé et puis l'expert en économie Thomas Dodji Koumou. Je les remercie du fond du cœur pour le travail qu'ils ont fait la dernière fois. En tout cas, c'est eux qui ont animé le débat citoyen. Ouais. Et la dernière fois, c'était interactif où les gens ont posé beaucoup de questions et ils sont rentrés encore dans l'histoire ancienne du pays pour maintenant nous projeter dans l'avenir. Tout à fait. Et quelles sont les perspectives donc, de votre journal aujourd'hui? Vous savez que, comme je l'ai dit la dernière fois, que nous sommes centrés sur la capitale et il faut maintenant vivre ce que vivent les populations de l'intérieur. Alors, nous voulons parcourir, si les moyens le permettent, si le Seigneur met sur nos chemins des personnes de bonne volonté qui nous soutiendront financièrement, aller dans les hameaux les plus reclus pour vivre avec nos concitoyens ce qu'ils vivent et les offrir à tous ces Togolais-là. Parce que la Gazette du Togo, pour la plupart du temps, est beaucoup plus suivi à l'extérieur dans la diaspora. Est-ce voilà que c'est question que d'internet. Voilà. Donc c'est ce que nous projetons faire dans les jours à venir. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser. On va prendre 1, 2, 3 auditeurs. Le premier est en ligne avec nous sur le 92 02 80 63 ou 22 21 80 99. Allô? Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Allô, allô. Quelques soucis, on va prendre un autre sur la ligne GSM. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Sacha. Oui, Kanidek. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bonjour. Merci beaucoup. Allô? Le président du groupe Sud Média, M. Lucas Baki, a transmis des dossiers signés par la HAC. Bon, vous avez été à cette conférence de presse, ou bien si vous-même, personnellement, vous n'avez pas été, votre organe a été représenté. Bon, les documents présentés par le directeur du groupe Sud Média, est-ce que la HAC reproche quelque chose à ces documents? D'accord. Est-ce que c'est authentique? Merci, bien noté pour vous, Kanidek. Auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Georges. Oui, Richard. Monsieur le journaliste, je pense que nous, quand on dépose un dossier dans la principale, un récépissé, mais bon, confions d'un récépissé. À qui maintenant, quand ça s'appelle, monsieur, à qui est-ce qui a la responsabilité de chercher ce dossier? Sinon, maintenant, de donner les gens à la comme l'autre, voilà, la crise des journalistes. D'accord. Merci beaucoup, Richard. Vous avez été bien compris. On va prendre le dernier intervenant. Il s'agit de Taoufik. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Nous vous écoutons. Bon, je vais m'expliquer. Je vais faire la fenêtre du CSF. Vous le voyez même la reconstruction de la HAC. Oui, non. Et reposez la question de manière très simple, mon cher ami. Si vous avez une zone d'ombre. Bon, pour la marche organisée pour la réouverture du CSF, moi j'aimerais que ceux qui recrutent un CSF absolument. Oui, là, ce n'est pas à vous de lancer l'appel, mais les associations l'ont déjà fait. D'accord? Merci, Taoufik, pour nous avoir compris. Ce n'est pas une antenne ouverte pour lancer appel à quoi que ce soit, non. Alors, si les documents présentés par M. Luc Abaki étaient des documents authentiques, mais je dois rappeler ici que les documents présentés la dernière fois au cours de cette réunion n'étaient pas des documents de la HAC, mais de la RTP. Maintenant, est-ce que c'était des documents authentiques? Vous l'avez... Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai dit que la première des choses à faire, c'est que la HAC nous dise que les dossiers qui ont été présentés par M. Luc Abaki la dernière fois sont des dossiers falsifiés, puisque la HAC nous a dit qu'elle ne retrouve pas les traces du dossier que le groupe Sud Média a déposé. Il faut qu'elle nous dise maintenant, puisque le premier responsable a pu exhiber un certain nombre de dossiers, qu'on nous dise si ces dossiers-là sont des dossiers authentiques. D'accord. La HAC ne se prononce pas là-dessus. Mmh. Mais maintenant, Richard lui repose la question, savoir quand vous déposez des dossiers, on vous donne d'abord la quittance et puis le récépissé. Si cela se perd, à qui incombe la faute? Est-ce à celui qui... c'est-à-dire le document que vous avez donné, puis on vous a attribué des quittances et tout. Est-ce que c'est vous, à vous, qu'incombe la responsabilité ou bien... Oui. Ou bien... Non, vous me délivrez un récépissé. Le récépissé se perd. Non, pas le récépissé, le document qui est sur la base, sur la base de laquelle, duquel vous avez pu m'attribuer le récépissé oui. Se perd. Si cela se perd, si c'est moi qui le perds, mais rien n'empêche qu'on me fasse un duplicata. Mm-hmm. Ça, c'est la grande question. Parce que nous sommes en face d'une institution de la République qui a presque tous les dossiers. Quand moi je le perds, je retourne là-bas, on doit retrouver les traces. Mais là où c'est aberrant, c'est l'institution même qui ne retrouve pas les dossiers. Moi, j'ai parlé de mon cas tout à l'heure, puisque moi, le dossier que j'ai déposé, c'est contre une quittance que je détiens, que j'ai même montré, que j'ai photocopié, que j'ai déposé dans les nouveaux dossiers que j'ai refait. Et donc, voilà. En France, vous suivez l'actualité, c'est la dernière préoccupation et on va remettre l'antenne. François Fillon, avec ce mea culpa, est-ce que les Français vont encore lui faire confiance jusqu'à ce qu'il remporte ce scrutin présidentiel de mois d'avril face à M. Amon Edouard et puis deux autres candidats, les FN et puis le candidat de gauche, mais qui est singleton? Je crois qu'il est mal parti avec... toutes ces révélations qui sont faites, parce que la dernière en date, c'est celle que Canal Enchaîné a encore mis sur le tapot. Et qui est une interview en anglais, je pense. Justement, et qui fait que... qui dénonce encore les indemnités que Mme Fillon a prises
ce qui a encore fragilisé... Mais comment se fait-il que ce soit en ce moment-là qu'on lui sort ce dossier alors qu'il est déjà candidat? Vous savez que ça a été toujours comme ça dans ces pays-là. C'est à l'approche. Et quand on se rend compte que vous voulez accéder à un haut poste, et c'est là, il faut être clean. Voilà. C'est là où je repose le problème. Puisqu'on l'appelle la magistrature suprême. Et on ne peut pas mettre un voleur, on ne peut pas mettre un trafiquant, on ne peut pas mettre quelqu'un qui a quelqu'un qui traîne des casseroles, quelqu'un qui a un passé qui n'est pas très clair, bien limpide. À la tête d'un État. Et voilà. Mmh. Alors, ce qui fait que quand on se rend compte que quelqu'un est dans la course et qu'il traîne des casseroles, vraiment. Ah mais on lui sort ses casseroles. On lui sort ses casseroles. Et c'est les médias qui contribuent le plus souvent à cela. Pour la plupart. Avec parfois la justice également évoque certains dossiers. Mais bon vent à François Fillon et du courage surtout à lui et à sa femme. Mais toujours ce qu'on doit retenir ici, c'est que le passé rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Il faudra savoir bien vivre. Et savoir bien marquer les pas. Merci. Idelfonse Akwaki. C'est moi qui vous remercie. Merci, dames, c'est fini donc pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Vous êtes toujours sur votre radio et les informations continuent sur la 96.3, également sur le www.radiovictoire.fm. Et n'oubliez pas, Jacob Arama vous donne rendez-vous tout à l'heure à 9h. Et c'est pour le journal En Éveil. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Mais cette émission vous sera rediffusée à 22h. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.